Et ma contribution, avant d'ouvrir ces travaux, ma contribution concrète à ces 4e assises. Je suis assis, je dis qu'est-ce que il y a le gouvernement, mais moi-même, en bas, qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai eu une inspiration, une petite idée. Je vais, séance tenante, choisir un jeune qui a envie de travailler avec moi et que dès demain, il soit à mes côtés. Je l'ai choisi par hasard. Je vois un jeune qui a un t-shirt. Je crois qu'il y a un t-shirt. Et tu vas travailler avec toi. Je veux que dans un an, aux assises, tu puisses venir ici et témoigner de ton expérience d'une année de travail avec toi. Je veux être une femme qui a un projet. Comment vous t'appelles? Je vais m'engager à parrainer un projet. Ce parrainage va consister d'abord à t'aider à affiner, à bien élaborer ton projet. Le deuxième appui, c'est que je te donne un financement de 5 millions de francs CFA. Le troisième appui, ce parrainage va consister à te suivre, à t'accompagner dans ta nouvelle carrière de jeune entrepreneur. Chaque jeune, c'est sur ce moment d'espoir, c'est sur ce moment d'espoir que je veux déclarer avec ma conviction que l'avenir du monde, c'est l'Afrique, que je veux déclarer ouvert les 4e assises de la Jeunesse de Côte d'Ivoire. Je vous remercie.